child to call my friend your mother. Your children will honor you. Amen. Amen. De la maman de Regina Daniels qui a fait parler les gens sur les réseaux sociaux. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous revenons avec une partie 2 concernant l'anniversaire de notre tata préférée, Regina Daniels, oui, a.k.a. Sweet 16, a.k.a. la sixième femme du milliardaire nigérien, Monsieur Ned Woko. Nous tous, nous connaissons que Regina a fêté ses 22 ans, c'était avant-hier, et on a fait une vidéo concernant cela, et puis on a réjoui et on a célébré avec Regina Daniels. Bon, avant ça, d'abord, ils sont allés en boîte, bon, ils ont fait une sortie de famille, chacun est venu et ils ont pu enjoy l'anniversaire de Regina Daniels et ça s'était bien passé, quoi. De là, même son frère a faroté et tout, ils ont bu les whisky les plus chers dans le snack, comme je peux dire. Et après ça, Regina Daniels a mis ses photos et tout et tout. Et ils sont encore sortis. Ils ont fait une petite sortie en soirée. Et après, ils ont fait, comme je peux dire, dîner ou bien une fête. Bon, c'était pas si grandiose. Bon, c'était une fête bien organisée et il y avait les invités. Et la maman de Regina Daniels, alors, elle a offert un cadeau, un bouquet d'argent à sa fille Regina Daniels. Comme vous pouvez voir, c'est le cadeau de maman Regina à sa fille là-bas, les dollars. Et Regina vraiment a apprécié le cadeau de sa maman. Elle-même, elle a dit que ses yeux, elle n'a pas voulu croire que c'est sa maman qui l'offre un bouquet de dollars, maman. Il y avait à manger, maman. Hey, je dis, il y avait à manger. Pour ceux qui aiment aller dans les fêtes manger trois tout là, deux tout, maman, il y avait la nourriture, c'est pas le wow wow wow. Et les gens n'étaient même pas si, je vais dire quoi, si nombreux. Et Regina, vraiment, elle était aussi bien habillée, simple, pas très, très, comme vous connaissez là, elle était aussi simple et si jolie dans son habit, quoi. Et de là, c'est passé au speech, chacun donnait le speech, chacun parlait, waouh. Je vais vous laisser écoutez cette vidéo à la fin, mais je vais vous dire quelque chose. Maman Regina est si contente de sa fille, je vous assure. Même quand elle faisait son speech, elle parlait que les enfants de Regina vont refaire la même chose que Regina Daniels est en train de faire pour elle. Que parce qu'elle ne pouvait pas imaginer à l'âge de Regina Daniels, 22 ans, ce qu'elle a déjà fait. Pas seulement pour elle qui est la maman de Regina Daniels, mais pour tous ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Hey, maman, oh, maman Regina n'a pas dit quoi. Bon, les gens ont commencé à voir comme si c'est Regina Daniels qui est, je vais dire quoi. Donc, vous connaissez, dans chaque famille, il y a toujours une personne, je vous assure, il y a toujours une personne qui vient là essuyer, je vais dire quoi, les larmes, ou bien il y a toujours une personne qui, je vais dire, arrêter la main des autres, ou bien une personne qui sort déjà riche, ou bien, je vais dire comment. Bon, vous comprenez de quoi je vais parler. Et maman Regina, elle a dit, Regina Daniels, elle ne se comporte pas comme une fille de 22 ans, mais comme une fille qui a plus de 30 ans. Que Regina, c'est une fille très, très sage. C'est une fille vraiment gentille, vraiment qui a le cœur d'aider. Et alors, son frère aussi, de son côté, est sorti, dit comment, ah, que Regina que vous voyez là, aïe, ah, yeah. Que Regina que vous voyez là, ce sont, donc, que même comme elle est mariée, lui, il suppose que il est marié à Regina aussi, parce que c'est pas parce qu'elle est mariée qu'il doit rester derrière, dire, oh, comme ma soeur est mariée, non, je vais moi rester derrière, je vais là. Non, que au fur et à mesure que les jours passent, il constate que même comme Regina est mariée, ça lui pousse à venir près de Regina. Donc, il ne voit même pas comme si Regina est mariée, parce que comme ils étaient, quand ils étaient enfants, c'est toujours la même chose. Que Regina n'a pas changé, malgré tout l'argent que Regina a, elle n'a pas changé. Elle est toujours Regina. Elle s'occupe d'eux, elle s'occupe de sa famille. Maman, cherchez l'argent, oh! Ou bien, je vais dire quoi? Que Dieu vous bénisse, ceux avec les maris qui ont de l'argent, maman. Bon, il est bien vrai, Regina avait déjà un peu fait son nom dans le Nollywood, mais nous tous, nous connaissons que le Nollywood, là, elle devait toujours vivre, elle devait toujours avoir une voiture, bon, du jamais, la vie luxueuse
que Regina vit maintenant, vous connaissez que dans le Nollywood là, non, 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 non. Sauf si je suis une vendeuse de piments. Mais aujourd'hui, Regina, elle est mariée, elle est confortable dans son mariage, elle a ses deux enfants. On n'a pas encore entendu que wow, 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 que peut-être Regina ne veut plus le maillot ou quoi que ce soit. Bon, à ce que je sache, Regina est encore mariée à Monsieur Netwoko. Oui, elle est toujours sixième femme de Monsieur Netwoko. Et Regina, d'abord, elle était bien habillée le jour. J'ai vraiment adoré son costume, si là, ça ne brillait pas, non, vous connaissez, ça ne brillait pas, donc même la couleur de ça, ça m'a tellement plu, une jeune, ah, les gens demandent que chaque année, Regina a 22 ans, je vous assure, cette Regina que vous voyez, elle a 22 ans, réellement, pourquoi je dis réellement, parce que vous tous, vous connaissez, non, on a vu Regina grandir, non, je sais pas comme ça, là, bon, nous tous, vous connaissez, on a déjà vu Regina, ici, là, mais là, Regina s'est mariée quand elle avait, ou c'était 18 ans, on se rappelle bien, c'est 18 ans, non? Jusqu'à les gens disaient que, oh, elle n'a même pas encore 18 ans, oh, oh, papa, on a commencé à dire, oh, on va amener papa notre parquet, oh, ceci, c'est là, elle n'a même pas encore 18 ans plein, oh, mais elle avait déjà 18 ans plein quand papa Netwoko l'épousait, rappelez-vous bien. Donc, Regina, elle a encore accouché, et puis vous voyez, quand une femme accouche, son physique change, tout change, donc ses formes changent, tu vois. Regina, c'est pas Regina d'hier, qu'elle était encore, elle était si, je vais dire quoi, sexy, déjà, bon, elle est toujours sexy, bon, elle n'avait pas le corps et tout, c'est maintenant que Regina, vous voyez les formes, non? Maintenant, les formes d'accouchement et tout, la transformation de sa maman, hey, Regina, ça veut dire, à 30 ans, Regina serait comme une, je vais dire quoi, une princesse. Elle serait encore belle jusqu'à présent. Moi, j'adore son nouveau corps, là, je vous assure. J'adore, je sais pas si elle a retouché, maman. Je dis aussi seulement, j'adore. Donc, la famille, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bon, et les gens commentaient, dit, oh, comment est-ce que maman Regina ne serait pas fière? Oh, on essaie, elle a vendu vraiment, le poulet. Quand on vend le poulet, là, on attend, les bénéfices de ça. Oh, 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 oh. Mais, même si c'est vous. Et elle a dit quelque chose que Regina s'occupe de toute sa famille et tout, bon. Cela m'a aussi plu que, ah, Regina, elle allait se marier, c'était pour sa famille. Vous voyez? Mais maman Regina a dit qu'elle allait se marier, elle s'occupe de sa petite sœur, ses frères, ses sœurs, ses cousines, ses cousins. Ah, maman, vous voyez, l'argent, oh, l'argent est bien, oh. Épouser un mari qui a l'argent est bien, oh. Là, voilà, elle s'occupe maintenant de sa famille, maman. Ok, Jésus ne parle plus trop. Je vais vous laisser écouter certaines parties de la vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je vous aime comme toujours. For your support, for not allowing me to wear down, thank you for always being there. You see, I've been 20 jobs, all the money goes to the account. She made me the first millionaire. Thank you. And I'm proud to call myself your mother. Your children will honor you. Amen. They will honor you beyond your imagination. Amen. As you have honored me and your siblings, even your family at large. Thank you. I have no other than continue blessing you. Stop. Happy birthday, mommy. Thank you. Wow, can we give mommy a round of applause?